comme il vous siera. Comme il vous siéra. Cette créature n'a aucune raison de charge. Yeah.
Ce sera fait. Du plus humble des esclaves au plus grand des rois, tous les... Bénis soient les pacificateurs, champions de la justice. Le confie et nuit au moindre de ses enfants, sans y avoir été contraint, celui-là est maudit par le Créateur. Qui sème le confit, c'est toi qui vas récolter la tempête. Tu veux bien arrêter de me reprendre? Je connais le cantique comme ma poche. La magie doit servir l'homme, et non la servir. Prenez ceci, vous l'avez bien mérité. Vous venez signaler un autre crime? On ferait aussi bien de boucler tout le quartier à ce rythme. Puis-je vous aider, garde des ombres? Le marché inférieur n'a aucune valeur pour le capitaine de la garde, et encore moins pour le Jarl O. Donc, quand enfin on se décide à m'allouer des renforts, je découvre, oh surprise, qu'ils sont les bâtards de tel ou tel seigneur machin, attardés et incapables. Mais les seigneurs continuent à m'en envoyer. La paye est correcte, c'est la routine, et on palpe un uniforme. J'ai donc toute une légion de bâtards pour protéger le marché des tire-laines et autres racailles ambulantes. Et les hommes triés sur le volet par le Jarl O en personne sont les pires de tous. Avec les bâtards, le pire qui puisse arriver, ce sont les jeux d'argent, les menus brutalités. Et il suffit de ne pas trop les houspiller pour éviter qu'ils aillent se plaindre à leur noble paternel. Mais les hommes du Jarl, eux, c'est de la mauvaise graine. Pire que les pauvres bougres qu'on arrête parfois. Certains d'entre eux sont de vrais gibiers de potence. Donc à moins d'avoir été poignardé et de voir vos entrailles filer dans le caniveau, inutile de vous plaindre. On a fait passer votre portrait à tous les hommes d'armes chevronnés du palais. Je dois dire qu'il ne vous rend pas justice. Ne vous inquiétez pas. Même si je croyais à la version officielle de ce qui s'est passé à Ostagar, je ne suis pas dupe. Si je demandais à mes hommes de vous arrêter, ils iraient pleurnicher dans les jupons de leurs courtisanes et me laisseraient me faire déchiqueter. Ne semez pas le chaos au marché. Je n'en demande pas plus. Quoi? Sérieusement? Je veux dire, oui, j'ai besoin d'aide. Il y a un établissement très populaire qui grouille de mercenaires. Si j'y envoie mes gars, certains pourraient être blessés. Le Créateur m'en préserve. Et il faudrait que j'explique à un noble paternel que son bâtard de fils a toutes les chances de mourir en service. Le lupanar en question se nomme La Perle. Rossez quelques mercenaires parmi les plus agités, ça leur donnera à réfléchir. J'ai dit rossez, pas tuer. Que ce soit très clair. Pas de feu, pas d'explosion, aucune de ces morts atroces dont vous devez avoir le secret. Ah, désolé. L'habitude de parler à mes gars. Laissez-les en vie, ça me suffira. Merci, garde des ombres. Bonne chasse. «
Maintenant que nous sommes de retour au camp, j'aimerais discuter de ce qui s'est passé à Golfaloa. Oui, je sais, mais j'ai eu le temps d'y réfléchir depuis. Je tenais à vous remercier. Vous avez sauvé la famille du Jarl, alors qu'il aurait été plus facile de n'en rien faire. Après avoir vu tant de morts et de violences, eh bien, ça me réconforte de savoir que nous avons pu préserver quelque chose. Je devais bien ça au Jarl. Bien. Je crois que nous avons eu assez de bons sentiments pour aujourd'hui. Allons donc trancher quelques têtes pour nous détendre. Oui. Oui. Certes. Qu'y a-t-il ? Mais bien sûr. Eh bien, les corbeaux vous diraient que c'est un processus long et difficile, qu'il faut passer des années à endurer des souffrances de tous les instants. Si vous y survivez, alors peut-être, peut-être, avez-vous les compétences nécessaires pour rejoindre leur rang. Mais très franchement, il n'est guère besoin que de vouloir gagner sa vie en tuant des gens. Dans le secteur, ce ne sont pas les perspectives de carrière qui manquent. Je ne vois pas lesquelles. Pour ce qui est des prérequis du métier, on se démarque à peine du tueur moyen. La seule différence, c'est qu'un assassin est plus versé dans les attaques furtives et cherche à rendre sa première attaque aussi mortelle que possible. Invalider votre adversaire à l'aide d'un poison ou en l'estropiant, et la suite du combat en sera grandement facilitée. Vous voyez, qu'on soit payé ou non, ça ne change rien. Être assassin, c'est avant tout un choix tactique, pas un style de vie. Bien sûr, les corbeaux aiment faire croire que leurs talents sont des secrets professionnels, enveloppés d'ombre et gorgés de mystères. Bref, que cela reste entre vous et moi, d'accord ? J'ai grandi dans un endroit comme... Arrête ton cirque. C'est bien cette canaille de Kylon qui vous envoie. Contente qu'il ne nous ait pas oubliés. Les mercenaires sont ici. Vous n'avez rien à faire ici. Cette affaire ne concerne que les faucons blancs. Je pisse sur la garde. Vous croyez nous donner des ordres? Vous n'êtes pas un garde ordinaire. Vous êtes avec le Jarl Oho, c'est ça? Bon, les gars, on lève le camp. On ne voudrait pas se mettre Logan à dos, pas vrai? Dites à Kylon que je lui suis. On va vous remettre à ta place. Ah,
est trop fort. Fichez le camp maintenant, et estimez-vous heureux. Je n'ai pris que votre or. Ha ! Quel crétin ! Tiens, tiens, mais qui voilà ? On vient s'excuser de m'avoir privé d'un époux avant de s'éclipser comme un voleur ? Les affaires sont les affaires, Isabella. Et tu n'as pas à t'en plaindre à ce que je vois. Tu as hérité du navire, n'est-ce pas ? Après tout, je n'ai jamais aimé ce gros lard. Et la sirène me réussit bien mieux qu'à lui. En effet, voilà Isabella, la reine incontestée des mers orientales et la plus fine lame de l'Homérine. Et toi, chère Isabella, cela t'amusera certainement d'apprendre que je voyage en compagnie d'un garde des ombres. Un garde des ombres ? Enchanté. Vous avez dû assister à cette petite rixe ? Aucune de ces petites frappes n'a jamais pu rivaliser avec moi. Ils sont trop lourdeaux, trop prévisibles. Mes armes sont la rapidité et l'intelligence, non la force brute. J'ai gagné le titre de duelliste en affûtant ma technique au fil des duels que j'ai livrés à main guerrier. Ah, une singulière demande venant d'un garde des ombres, fléau intrépide de l'engeance. Je suis flattée que vous souhaitiez apprendre auprès de moi, très cher. Il vous faudrait des années de pratique pour maîtriser pleinement ce style, mais je peux vous enseigner les bases. En revanche, je souhaite en savoir plus sur le potentiel de mon élève. Nous allons donc commander à boire et vous me ferez l'honneur de jouer à un jeu. Vous avez une idée précise en tête ? Vous piquez ma curiosité. Ce serait indélicat de ma part de décliner une proposition si délicieuse. Et toi, Zev, qu'en dis-tu ? Tu nous accompagnes, en souvenir du bon vieux temps ? Oh, Isabella, toi et tes pulsions ridicules. Je te laisse avec ta nouvelle mascotte, d'accord ? Ah, je vois le genre. Comment refuser ? Ah, ça ravive certains souvenirs. Venez, mon navire est tout prêt, et je suis sûre que vous trouverez ma cabine très confortable. Eh bien, voilà qui ravive les souvenirs, pas vrai, Zev ? Et les bons. Pour toi, peut-être. Moi, je me rappelle la fois où ton mari a voulu me tuer. J'ai dû filer par les toits, nu comme un ver. Ah oui, que de bons souvenirs. Bon, je ne vous devais pas un petit service ? Une leçon, peut-être ? Suivez-moi, il nous faut un peu plus d'espace. Je n'ai plus rien à vous apprendre, je crois. N'oubliez pas de dire à ceux que vous croiserez de qui vous tenez votre art. Puis-je vous aider ? J'espérais vous voir. J'ai appris ce qui s'est passé à la Perle. J'ignore comment vous avez fait, mais ils sont partis sans faire d'histoire. Les pensionnaires de la Perle vont... Personne ne donne d'ordre à mes gars à part moi. Une petite leçon de respect s'impose. Je vois. N'épargnez pas ces brutes. Les choses vont se gâter. Il en vient d'autre. Thank you.
y a des gens qui vous attaquent délibérément, ils sont idiots ou quoi? Voici le paiement convenu. J'aurai peut-être encore du travail pour vous si ça vous tente. Mais je retourne au quartier marchand. Les ruelles sont un petit peu trop dangereuses pour moi. Qu'y a-t-il ? Pas à tout le monde, non. Mais à un beau garçon comme vous, pourquoi pas ? Je suis sûr que vous vous attirez bien des regards, d'un sexe comme de l'autre. Y voyez-vous un mal ? Mais peut-être préféreriez-vous que je m'abstienne. Ce serait difficile, vu l'intimité que nous impose notre périple. Mais je suis un gentilhomme, avant tout. Vos désirs sont des ordres. Bien, cela dit, pouvons-nous repartir? Je tournerai mes yeux ailleurs, c'est promis. Qu'y a-t-il? Ma foi, les corbeaux sont déjà furieux, pas vrai? Quel mal y a-t-il à leur remettre le nez dans la fange? Si vous souhaitez découvrir l'art de l'assassinat, je consens à vous former. Qu'y a-t-il? Mais bien sûr. Je ne connais pas grand-chose sur les Dalassiens, hormis que ma mère était de leur sang. C'est du moins ce qu'on m'a dit. Elle était tombée amoureuse d'un bûcheron elfe qu'elle avait accompagné à la cité en quittant son clan pour toujours. Ensuite de quoi, bien sûr, le bûcheron est mort de quelques maladies honteuses, tandis que ma mère était contrainte à se prostituer pour éponger les dettes de son mari. Une histoire vue et revue. Comment voulez-vous que je le sache? Ma mère était une catin, je vous le rappelle. Aucun des autres elfes du bordel ne connaissait son père. Je n'étais ni mieux ni moins bien loti. Je n'ai pas connu ma mère non plus, ça va sans dire. Elle est morte en couche. C'était un peu ma première victime. Nous avons tous été élevés en communauté par les catins. Ça a été une enfance plutôt plaisante, hormis les tannées occasionnelles. Jusqu'à ce que je finisse par être vendu au corbeau, j'ai rapporté une coquette somme à ce qu'on m'a dit. Ça aurait pu être bien pire. Vous voulez savoir ce que sont devenus les garçons du bordel qui n'avaient pas trouvé grâce aux yeux des corbeaux? Non, j'ai été bien loti. Ne me dites pas que votre vie à vous a été idyllique. Les gens comme nous ne sont pas le produit d'une existence paradisiaque, il faut en convenir. Ce que je voulais dire, c'est que les origines dalassiennes de ma mère m'ont toujours fasciné. Durant toutes ces années de formation chez les corbeaux, je n'ai conservé de ma mère qu'une paire de gants. Des gants magnifiques, de facture dalassienne, m'a-t-on dit. Bien sûr, nous n'avions pas droit à ce genre de choses. Il fallait donc que je les dissimule. Finalement, ils m'ont été confisqués et jamais plus je ne les ai revus. Rien du tout. Bon, nous entendions bien parler d'eux en ville, y compris au cœur d'Antiva. J'ai même caressé l'idée de partir les rejoindre, c'est dire. Bien sûr, la réalité n'a pas été à la hauteur des fantasmes infantiles que m'inspirait cette paire de gants. Mais ainsi va la vie. Alors, assez parlé des Dalassiens, reprenons notre chemin. Oh!
Bonne journée. Très bien. Il vous siéra. Vous avez certainement affaire de votre côté. Ce sera fait. En charge. Comme il vous siéra. Peut-être devrais-je tenter ma chance.
Vous ? On allait justement envoyer les gars à vos trousses. Le patron a dit « Tuez-les !» Il en vient donc. Autre. Qu'est-ce qui peut pousser les puissants gardes des ombres à s'intéresser à quelqu'un comme moi? Bien sûr. Bonne journée. Adieu. Comme il n'existe qu'un monde, une vie, une mort... Bénis soient les pacificateurs, champions de la justice. Les dieux qui consacrent leur amour à de faux dieux, ceux-là sont des pêcheurs. Tiens, pas de dessert. Le créateur soit loué. La magie doit servir. Oui. Certes. Oui.
La magie doit être. Rebonjour à vous. Y a-t-il autre chose que je puisse vous montrer? Du tout premier choix, en provenance directe d'Orzammar. Chaque objet porte le sceau du... Artisanat nain. Article. De nos premiers choix, en provenance directe d'Orzammar. Vous ne trouverez pas mieux. Artisanat nain. Article de premier choix. Occupez-vous de vos affaires. Les miennes ne vous regardent pas. J'en doute fort. Oui, vous avez raison. Voilà qui est très intéressant. Je garde cette note et je confisque le lyrium en guise de preuve. Vous avez bien travaillé, l'ami. Les jours de ces mages renégats sont comptés. Content de vous revoir. J'ai reçu des plaintes concernant l'invasion par des mercenaires de la taverne du noble Chenu. Aucune violence à déplorer. Les soudards doivent simplement déranger les nobles dans leurs agapes. Faites-les sortir, de gré ou de force. La tenancière n'a rien contre un peu de sang, ou de sport, comme elle appelle ça. D'après le capitaine, Dénérim n'ira pas pleurer une poignée de mercenaires. Faites ce que vous avez à faire, et bonne chance. Ici. Que puis-je pour vous, étranger? Je m'exécute. Vous regardez quoi? On est les pirates rouges! Attention à ce que tu dis! On est des durs! Des vétérans! Toi, t'es qui, hein? On allait partir! Voilà! Allez, pirates! Cap sur les quais! Par le souffle du Créateur! C'est vous le garde des ombres dont tout le monde parle? Je représente les partisans d'Adaman. Nous sommes une compagnie de mercenaires qui a connu de sacrés revers après la guerre contre Orlais. Vous savez sans doute que la situation empire de jour en jour. Avec votre aide, les partisans pourraient de nouveau servir la cause de Ferelden. Nos chefs savaient bien que vous seriez disposés à nous aider. À chacun de nos avant-postes de Ferelden, vous trouverez un avis à votre attention. Contrairement à nos autres contacts, ces avis émanent directement de nos chefs Raelnor et Taoran. Ce qui en dit long sur l'estime que portent les partisans aux gardes des ombres. Merci.
Quand vous aurez accompli une mission, revenez me voir. Puisse le Créateur éclairer votre chemin. Mon service se termine. Loué soit Andraste. Vous et votre mère, Morrigan, vous avez dû avoir bien du mal à échapper encore et toujours à la chanterie. Votre sollicitude est aussi inopportune qu'inutile, vieillarde. Jamais nous n'avons eu le moindre mal à les éviter. Mais vous avez sans doute dû vous faire remarquer de temps à autre. Pour puissante que vous vous prétendiez, je doute que vous vouliez accaparer l'attention de la chanterie. Des Templiers ont parfois investi les terres sauvages à nos trousses, pour ne plus en ressortir. Et jamais la chanterie n'a haussé le sourcil? J'ai peine à le croire. Il y a bien des choses, j'en suis sûre, auxquelles vous avez peine à croire. Après tout, vous vous refusez à admettre que vous vivez en laisse. Le monde a de bonnes raisons de craindre les mages, malgré tous nos efforts. Vos efforts, peut-être. Leur crainte ne me concerne en rien. Ce sera fait. Je m'en charge. Très bien. Edwina vous remercie de l'avoir débarrassé des pirates rouges. Cela dit, l'absence de combat l'a quelque peu déçu. Voici votre paiement. Vous nous êtes d'un grand secours. J'ai quelque chose pour vous. Le quartier marchand est nettement plus paisible grâce à tout ce que vous avez fait pour nous. Je sais que ça n'est pas grand-chose, mais voici un petit bonus. Beaucoup de gens avalent tous les bobards qu'on leur sert, mais nous autres croyants répandrons la bonne parole en ce qui vous concerne, vous et les gardes des ombres. Merci. Très bien, laissez-moi y jeter un œil. Je savais bien que ce jour funeste viendrait. Comme il n'existe qu'un monde, C'est lui qui m'a agressé! Je m'excuse. Oui! Faut qu'elles apprennent ce qu'il... Oui! Faut qu'elles apprennent ce qu'il en coûte de me chercher. Nous... Du plus humble des esclaves au plus grand des rois. Qui sème le conflit? C'est toi qui vas récolter la tempête. Tu veux bien? La magie doit servir l'homme.
elle prend le repos dans son air et dans l'au-delà. Là, un piège. Nous avons une intrusion. Vous sied. À vrai dire, non.
Je m'en charge. Oh.
essuyé un mauvais coup pendant le combat. Très bien. Je m'exécute. Comme il vous siéra. J'écoute. Nommez votre souhait. Thank you.
réfléchira. En charge. Ce sera fait. J'avancerai à l'insu de tous. Il en vient d'autres.
Je m'en charge. J'avancerai à l'insu de tous. Thank you.
dépoussiéra. Sur le champ. Discrétion est la meilleure approche. Thank you.
sont vos désirs? Bien entendu. Je m'exécute. Je m'en charge. Discrétion est la meilleure approche.
comme il vous siéra. J'ignore comment vous avez fait pour survivre jusqu'ici. Est-ce la chance, la providence? Qu'importe. Vous ne survivrez pas à ceci. Je m'en charge.
La magie doit servir l'homme. Du plus humble des esclaves au plus grand des rois. Celui-là est maudit par le créateur. Avant les premières lueurs de l'eau, les ténèbres semblent ne jamais devoir la tempête. Arrêtez de me reprendre, je connais le cantique comme ma poche. Que puis-je pour vous ? On a sûrement ce qu'il vous faut, moi ou mon fils. Ce que nous avons trouvé. Très aimable. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire... Non, l'échec est couru d'avance. C'est sûr ? Vous n'avez pas envie de... S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésitez... Écoutez, on ne vole pas les gens, d'accord ? On ne dépouille personne de ce dont ils ont besoin. Les objets trouvés dans les tegs abandonnés, à quoi bon les laisser sur place ? Je n'ai fait que les rapporter à Orzammar, où les gens peuvent les contempler et se souvenir. Les choses ne sont pas différentes en surface. Il y a des vestiges abandonnés par les humains un peu partout. De plus en plus même, avec l'arrivée de l'engeance. Les gens fuient l'enclin, ils ont bien raison.
Mais ils oublient des choses. Des choses qui ont une valeur, une signification. S'ils les laissent sur place, c'est parce qu'ils ont peur, qu'ils fuient parfois sans réfléchir. Et parfois, mon fils et moi, nous parvenons à accéder à ces endroits avant l'arrivée de la Horde et sauvons ce qui peut l'être. C'est une façon d'éviter que les engeances ne s'en emparent. Quel mal y a-t-il à cela? Ces monstres détruisent tout ce qu'ils touchent. Mais c'est aussi mon opinion. Bah, quelle terrible époque. Les temps sont durs, mon ami. Ce que nous... Quel genre remarque. Certes, certes. Oui. Comme il n'existe qu'un monde. Très bien. Bienvenue. Vous cherchez une armure de qualité? Il est excentrique et un peu bizarre, mais c'est un armurier sans égal. Même s'il ne cesse de répéter le contraire. Avec plaisir.
Bienvenue. Vous cherchez une armure avec...